Bonjour les amis, cette fois je vais vous parler de PewDiePie, le meilleur youtubeur du monde. Ok? Bon, ça c'est le titre principal, mais avant de m'attaquer à ce sujet, je vais vous parler de hashtag partage, parce que hashtag partage est en train de s'étoffer. C'est-à-dire que je garde toujours les articles que j'ai déjà publiés auparavant et je rajoute toujours avant un nouvel article. En plus de ça, j'ai préparé des pages qui vont être consacrées aux professionnels du web marketing. Je vais les mettre là-dedans gratuitement. Je vais placer des liens qui vont servir pour vous, pour les contacter. Vous cliquez dessus, c'est interactif et vous rentrez directement avec eux. OK? Bon. Maintenant, je vais parler de PewDiePie, c'est le meilleur youtubeur du monde. Là, je le mets en couverture principale, c'est-à-dire hashtag partage. Et puis, je vais bien sûr passer à la page de garde de son article. Et la page de garde de son article, elle est en train de prendre forme. Vous voyez comment elle est maintenant. Il y a YouTube, c'est la rubrique YouTube. Et hashtag youtubeur, donc il y a toujours ça. Et puis voilà le titre et lui en même temps. Là, sur la page de garde, il y a toujours un lien, le lien de l'article que les Échos ont consacré pour lui. Voilà, vous allez le voir, vous allez le lire. C'est en français. Et bon, vous allez apprendre beaucoup de choses, ce que les Échos ont dit de lui. Ok? Donc, voilà. Je quitte ça. Et puis, je continue mon petit périple. Et puis après, vous allez être sur une page où il y a un lien vers une vidéo YouTube. Du bout en bout, il y a une seule page parce que il n'y a pas beaucoup de, comme c'est en anglais, il n'y a pas beaucoup de vidéos en français. De toute manière, j'ai mis les vidéos en français ici, et tout ça, c'est complètement en anglais. Il y a, par exemple, c'est pas moi, voilà, je mets ça, par exemple, ici. Bon. C'est vraiment bizarre que cette personne, PewDiePie, soit le youtubeur le plus connu au monde. Les plus grosses stars de cinéma jouent dans des films grand public que vous pouvez regarder dans un avion. Et les musiciens les mieux payés sont ceux dont la musique joue dans les haut-parleurs de tous les H&M. Mais PewDiePie est tout sauf mainstream. Il a lancé sa chaîne sur un créneau de niche en hurlant devant des jeux vidéo. Il a un humour noir et fait des blagues d'un goût douteux. Il est haï par les médias traditionnels qui le prennent pour un néo-nazi. People just read this and they're like, oh, okay, I see. PewDiePie is a Nazi now, that's. Voilà, ça c'est une vidéo qui est faite par le célèbre marketing mania de Lou et qui fait un article sur lui. Vraiment, est en train de le décortiquer au maximum, ok? C'est lui qui parle pas ici. Voilà. Qui a été capable de complètement se réinventer. Et ça va être la compétence la plus importante pour une star au 21e siècle. Parce que la technologie et les goûts de l'audience changent de plus en plus rapidement. Dans les siècles passés, différentes formes d'art ont été dominantes. La sculpture, la peinture, le cinéma. Vu comme on est parti, la forme d'art qui va définir le 21e siècle, c'est le clickbait, la capacité à capter l'attention. On nous a bien fait croire qu'un mec qui pose un urinoir dans un musée, c'est une forme d'art. Alors allez pas me dire que c'est impossible. La plupart des gens pensent que le clickbait est un des signes de l'apocalypse qui annonce que notre société a perdu toute intelligence et a enclenché son déclin final, dont le dernier arrêt, c'est le monde de Wall-E. Mais en réalité, le clickbait, c'est juste une. Et puis, bon, on va prendre un autre comme ça. Ici, là, il parle de PewDiePie a perdu 600 000 abonnés. Pourquoi tout le monde perd des abonnés? Bon, il parle de du bug qui est arrivé à. Je quitte, c'est pas très intéressant. Alors là, il est placé ici en milieu. Et là, c'est T-Series, la chaîne indienne, qui va le battre à un moment donné. Mais il va revenir, bien entendu, il va revenir, il va redevenir premier après. Mais là, c'est à ce moment-là où on a dit, tout le monde a dit que PewDiePie, c'est fini pour lui.
Mais il va reprendre. Et puis, je vais vous montrer de... Good morning, gamers! Okay. Mending. Ça, c'est lui en... plein travail. Please just sell me your mending. I'm in... Yes. It's locked in. Thank you. So I had it last time. No one cares, Felix. It's just that I had... Voilà, ce sont des aperçus de ce qu'il fait. Bien sûr, vous aurez beaucoup plus de temps pour regarder ça. We're already inside. Like, this is my home. All right, let me do it again. Oh, he's gonna do it again. Knock, knock. Oh, this is good. This is good. Who's there? I don't want to do it. Change my mind. All right. Knock, knock. Wait, you're already inside. No, I got this. Okay. Knock, knock. Who's there? Voilà. Je vais pas vous retenir plus, mais je vais quand même vous présenter ce qui suit. Certainement, je vous ai déjà expliqué ça. C'est après le premier article qui est nouveau, que je lance, le dernier article. Je garde quand même les autres, comme celui-là, avec bien sûr ses vidéos. Ronaldo avec ses vidéos, Messi, Facebook avec ses vidéos, voilà. Tony Robbins avec ses vidéos. Dans le cas où vous voulez revenir sur ça, le guide WordPress avec ses vidéos. Et là, c'est là ce que je suis en train de lancer, c'est un annuaire des pros du web. Un annuaire des pros du web parce que je suis obligé quand même de mettre les pros du web là-dedans. Un annuaire, une liste complète, la plus complète possible. C'est pour ça que si, par exemple, si parmi vous il y a des pros du web, sachez que là, c'est dédié à vous, gracieusement, vous n'avez rien à payer. Vous allez découvrir, bien entendu, ici, par exemple, j'ai déjà préparé une liste par ordre alphabétique, et puis, il suffit seulement de cliquer dessus pour être directement redirigé vers que je demande au pro du web de m'envoyer le lien, un seul lien, vers lequel je vais, par exemple, diriger les gens. Ok? Par exemple, ça, c'est Alios. Bon, c'est Alios est en train de nous regarder. Il m'envoie un lien, c'est pas moi, YouTube ou site ou ce qu'il veut. Et puis, je vais mettre le lien ici. Les gens vont venir ici, ils vont cliquer sur Alios et ils vont directement être en contact avec Alios. Moi, je suis pas affilié à Alios, je le fais gracieusement, c'est tout. Donc, voilà. Et là, j'ai déjà 422 qui sont repérés chez moi. Là, il suffit qu'on m'envoie leur lien, c'est tout. Voilà. Et ça va sortir chaque jour, cette histoire, hein. Faut se le dire. Ils sont 422. Bon, là, ça termine. Et puis, ça continue. Et puis, vous découvrez finalement la dernière page. La dernière page sur le mot de l'éditeur. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire maintenant. Si vous voulez savoir qui fait quoi, c'est hashtag partage. Hashtag partage, vous cliquez ici. Et n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner à ma chaîne parce que je suis en train quand même de faire beaucoup de choses pour vous. À bientôt, merci.